Bonsoir les béliers, bienvenue à tous. En fait, merci aux Crosswatchers, ceux qui regardent pour un ou une bélier. Merci à vous aussi d'être ici. Je vous fais donc une série qui s'intitule Le meilleur à venir. Je vous parle de ce qui va se passer entre maintenant et le reste de l'année 2000 jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc, potentiellement les faits saillants, les moments plaisants, ceux qui valent la peine pour vous on va dire, sur lesquels focuser en fait, de manière à ce que votre énergie soit bien utilisée. Je vais donc faire de mon mieux pour vous livrer des messages les plus lumineux possibles, même quand les cartes seront peut-être moins jojo, moins drôles. On verra. Donc, je commence. Voyons voir ce que le tarot aimerait vous dire. Je vais d'abord vous faire un message plus général. On va laisser les cartes vous parler et vous dire quel serait le prochain événement, le meilleur à venir, donc entre maintenant et la fin de l'année. Le meilleur à venir entre maintenant et la fin de l'année. Ici, vous avez le fou à l'envers avec le 2 d'épée à l'envers. Donc, le meilleur à venir dans une des situations que vous allez vivre, c'est de ne pas prendre de décision et ou de prendre la décision de ne pas prendre de risque, en fait. Donc, là où vous aviez de l'hésitation, où est-ce que vous n'aviez pas toute l'information, où est-ce que vous étiez probablement mal renseigné ou pas assez renseigné, je vous vois faire le choix ici de ne pas aller de l'avant. Peu importe la situation. Ensuite, la lune est à l'envers avec le roi de Pentacle à l'envers. Ici, c'est un autre message dans une situation qui concerne votre carrière. Vous allez apprendre quelque chose d'important, mais qui va vous placer dans une position où est-ce que vous auriez préféré ne pas être. Donc, on peut penser que ça concerne ce que vous faites directement, mais ça peut concerner le travail que vous faites, c'est-à-dire un des projets ou une des... Donc, ça peut être en lien avec ce que vous faites. Mais je vais clarifier dans ce cas-ci. Le chariot, c'est par rapport à un déplacement. Par rapport à un déplacement au travail. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous aurez à faire un voyage. Je pense que ça vous ne plaît pas, en fait. C'est assez surprenant. Je pense que vous avez beaucoup de travail en ce moment. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas envie d'aller vous... d'avoir à vous déplacer. Vous savez que ça va être de longues heures, vous savez que ça va être peut-être plus de travail ou juste un peu plus difficile de garder donc le rythme par rapport à ce que vous avez déjà à faire. Voyons voir maintenant avec les cartes succès ici. Juste un petit mot par rapport au travail. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour le succès? N'attendez pas que les choses se fassent, faites en sorte qu'elles arrivent. Un peu comme aller les chercher. Faire arriver les choses, donc les provoquer, mais dans le bon sens du terme, bien sûr. Voyons voir ce qui va arriver par rapport à cette carte-ci que je viens de tirer. Donc, jouons le jeu ici et voyons voir ce qui pourrait s'en venir pour vous d'ici la fin de l'année. Toujours au niveau du travail, à part ce déplacement. Ici, j'ai le 10 de bâton, mais la carte est sortie à l'envers pour moi. Vous allez réussir à vous dégager de plusieurs responsabilités. Je pense que c'est en lien avec ce qu'on voit ici. Je crois que malgré le fait que vous n'aimiez pas faire il y a un voyage que vous n'aimez pas ou que vous n'avez pas envie de faire, un voyage d'affaires, bien sûr. Dans ce cas-ci, c'est clair.
Mais c'est en lien avec le risque que vous n'avez pas pris. Donc, c'est une opportunité que vous avez, je crois, jugée pas vraiment. Donc, vous n'avez pas voulu relever le défi ou vous avez trouvé que l'opportunité n'en valait pas la chandelle. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même obligé d'y aller. Un peu comme si vous avez quand même des démarches à faire ou un suivi, ou en tout cas, il y a quand même quelque chose qui demande, qui requiert votre attention. Mais ça va vous permettre, je crois, de laisser aller certaines responsabilités. Peut-être que vous n'aimez pas cette impression d'avoir à déléguer au départ, peut-être que vous n'allez pas aimer ça. Mais c'est marrant, ça dit, n'attendez pas que les choses se fassent. Donc, n'attendez pas aussi que les... Ne comptez pas sur les autres pour faire les choses. Avec le 10 de bâton, souvent, on peut parler de déléguer. On peut justement se délester soi-même, mais en déléguant. Je vais vous tirer une carte en lien avec ces responsabilités, à savoir ce qui se passe vraiment. Les réunions. Vous avez trop de réunions au travail. Vous n'arrivez pas à faire votre travail. Des fois, quand on est trop souvent dans les meetings, après, ça, on n'a pas le temps de faire le travail en soi. C'est vraiment marrant comme message de carrière. OK. Maintenant, je vais vous faire un message peut-être plus amoureux. Un petit message ici, le meilleur à venir, mais en amour. Donc, voyons voir ce qui se passe pour vous en amour, le meilleur à venir. On va commencer par les célibataires, savoir c'est quoi le meilleur à venir pour eux. Le roi de Pentacle. Bien, ça peut être vu comme une opportunité, en fait, de rencontrer quelqu'un qui pourrait donc être considéré comme un homme ou une femme d'affaires, ou simplement quelqu'un qui réussit bien, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui a une bonne job, quelqu'un qui fait des sous, qui gagne bien sa vie. Mais peut-être que c'est vous-même les célibataires ici. Peut-être que vous avez du succès avec votre travail et non en amour. Mais voyons voir un petit peu ce que ça veut vraiment dire en amour ici pour vous. Le 6 de bâton est à l'envers. Alors, pendant que vous êtes occupé au travail, vous n'avez pas l'attention de la gente du sexe opposé. C'est aussi simple que ça. Vous êtes dans une situation où est-ce que vous ne vous sentez pas vu. Vous ne vous sentez pas reçu ni entendu. En plus, c'est que vous travaillez tellement fort que... Ici, on peut même dire que vous travaillez fort à essayer d'attirer l'attention de quelqu'un en particulier, mais cette personne ne vous donne pas son attention. Ça pourrait être justement cet homme ou cette femme d'affaires, quelqu'un qui serait... le nez plongé dans son boulot. De toute façon, cette personne ne voit que son travail. Elle n'a Dieu que pour sa propre ambition et sa carrière. Donc, voyons voir un petit peu avec l'oracle comment compléter ce message pour les célibataires. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici par rapport à cette personne, le retard? Cette personne va rater l'opportunité avec vous. La personne, il n'y aura pas nécessairement de débouché avec cette personne. Ou bien vous allez essayer d'attirer son attention, ou c'est elle-même qui essaie d'attirer votre attention, mais vous allez vous rater ici. Je vais vous faire donc un message maintenant pour ceux qui sont en couple. Un petit message, donc le meilleur à venir pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un. Quel est le meilleur pour vous deux? Quel est le meilleur pour la famille aussi en même temps, si vous avez des enfants, bien sûr? La mort, une grande transformation, à quel niveau? Le diable est à l'envers.
C'est marrant ces deux cartes ensemble. Ben, écoutez, la beauté ici, c'est que pour les couples, tout ce qui était dans le chemin, entre guillemets, des mauvaises habitudes ou même ne serait-ce qu'entre vous deux, des vieilles façons de faire ou des schèmes, donc des routines surtout de vie qui sont pas vraiment, qui ne vous servaient pas autant au niveau de la santé que ne serait-ce que dans la dynamique entre vous deux. Ici, je vous vois tous les deux lâcher prise, vraiment faire un virage, prendre le taureau par les cornes presque et vouloir changer profondément ce qui se passe entre vous deux. Donc, voyons voir ce qui se passe réellement ou en tout cas ce que ça veut vraiment dire. La force. C'est vraiment très beau comme énergie. Donc, en termes de potentiel ici, en termes d'amélioration de la relation, vous allez donc vivre une période qui va être très agréable au niveau du fait que vous soyez d'accord. Je pense que les deux, vous mettez beaucoup d'emphase, vous accordez beaucoup d'importance à ces changements, surtout à assainir vos habitudes de vie, à assainir la relation. Donc, c'est vraiment très, très chouette ici. On peut penser que, surtout là où est-ce qu'il y avait des mauvaises habitudes, elles sont vraiment remplacées par de très très bonnes habitudes qui renforcent votre système immunitaire, qui renforcent votre propre vitalité, qui vous permettent d'accomplir plus, de simplement vous sentir mieux, de briller, de vous sentir vraiment comme très à l'aise, bien sûr chacun de votre côté, mais aussi ensemble. Je pense qu'il y a une espèce de déclic qui se produit d'ici la fin de l'année. Voyons voir ce que c'est. J'ai un feeling. Le travail. Parce que vous allez travailler sur la relation tous les deux. C'est ce que je ressens. Mais c'est marrant parce que, bien sûr, on peut penser que c'est le boulot, mais c'est vraiment le travail sur la relation. Laissez-moi vous en tirer une autre. La distance. S'il y a quelque chose qui vous sépare, vraiment de la distance physique, bien sûr, mais ça peut être aussi de la distance émotionnelle, quand deux personnes, ne se fréquentent pas. À cause du travail, peut-être qu'il y a quelqu'un qui voyage un peu comme on a vu pour le message de carrière. Donc, il y a quelqu'un qui voyage pour le boulot, peut-être que quelqu'un n'est pas assez souvent à la maison. Il y a définitivement un grand, grand, grand changement qui s'opère. Il y a aussi plus de confiance parce que des fois, quand un des partenaires quitte en déplacement, en voyage d'affaires comme ça, des fois, il y a des doutes. Ça peut, disons-le, je vais le dire différemment. Il peut y avoir des situations où est-ce que votre confiance l'un envers l'autre est mise à l'épreuve. Mais ici, je vois qu'il y a tout un travail. À deux, bien sûr, sur la relation, mais aussi à, on va dire, soit raccourcir cette distance réellement, donc vous voir plus souvent, mais peut-être aussi simplement vous retrouver dans le sens de vous rapprocher. Tout ça vraiment sur la base d'assainir la relation, sur le fait que vous faites un travail d'assainir la relation, la rendre plus belle, plus forte. Je vais tirer une dernière carte. Attendez, je vais utiliser cet oracle. Bien que je vous dise que ces messages sont jusqu'à la fin de l'année,
J'ai quand même envie de l'utiliser dans ce cas-ci, surtout par rapport à ce que vous laissez tomber. Je veux juste voir si ça va se passer avant la fin de l'année et ou si c'est quelque chose même qui peut perdurer dans le temps, à contrario. Ça vous dit more patience is required. Il y a plus de patience qui est requise. Donc, pour faire ce changement, cette transformation, pour accepter l'état de fait que vous êtes encore, que quelqu'un doit encore se déplacer pour le travail, que potentiellement vous allez être séparés encore plusieurs fois ou à répétition, ou en tout cas pour un certain temps, pour certains d'entre vous, eh bien, la patience est bien sûr de mise. Mais c'est la clé ici. C'est la clé. D'ailleurs, la patience, la force, est une carte qui démontre beaucoup de... Quand on a la gouverne de son... Quand on est maître de soi. Donc, quand on fait preuve justement de patience et de tolérance. Allez, voilà les quelques petits messages que je voulais vous faire rapidos pour vous parler du meilleur à venir d'ici la fin de l'année. Donc, dans quelques différents domaines. J'espère que quelque chose résonne. Ne prenez que ce qui résonne. Faites-moi un petit mot. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Entre-temps, je vous remercie de liker, partager et vous inscrire. À bientôt!